Dans le cadre de ses actions humanitaires, le Rotary Club Bamako Alassane Kanté a organisé hier une journée d'hygiène bucco-dentaire au groupe scolaire de Sabalibougou. Falemba Keïta a assisté à la cérémonie, son compte rendu. Cette journée hygiène bucco-dentaire fait partie d'une série d'actions humanitaires organisées périodiquement par le Rotary Club Bamako Alassane Kanté. La présente journée tient à cultiver chez les scolaires de Sangaribougou la notion d'hygiène des dents, de prévention de la carie dentaire et les traitements appropriés. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une seconde journée que nous avons appelée la journée hygiène bucco-dentaire. Et cette journée hygiène bucco-dentaire consiste vraiment à faire une sensibilisation sur les maladies bucco-dentaires, à faire une consultation sur place et à procéder aussi à la remise de pâtes dentifrice et de brosses à dents pour toutefois contribuer vraiment à la santé des enfants dans cette école-là. Cette action humanitaire en faveur des élèves du dit établissement est rendue possible grâce à l'appui de l'ONG Horizon Vert et de l'association Les Dentistes du Mali. 60% des enfants qu'on a eu à consulter ici n'ont jamais eu accès à un dentiste, ils ne sont jamais allés partir voir un dentiste. Et grâce à Rotary aujourd'hui, beaucoup de ces enfants ont compris qu'il faut passer voir le dentiste. Les techniques de brossage, les gens ne les maîtrisent pas. Ce qu'il faut faire après avoir pris des aliments qui sont cariogènes, les enfants ne le savent pas. C'est pas grave s'ils ont les caries, mais déjà s'ils ont l'information de savoir comment éviter les caries et que savoir que ces caries peuvent se soigner, c'est vraiment important. Créé le 18 décembre 2009, le Rotary Club Bamako Alassane Kanté compte une vingtaine de membres. Évoluant en droite ligne avec sa devise « Servir d'abord », le club a déjà mené plusieurs actions humanitaires dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement de l'environnement.